Chers adeptes de curiosité et de bizarre, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Birth, le point and click creepy. On est reparti! Et du coup, on avait trouvé le collier de la petite dame. C'est cool. Alors par contre, j'ai toujours le petit mot de je sais plus où qui me... avec les ballons notamment où j'ai pas vu pour l'instant à quoi ça me servait. Enfin, je crois pas. Ou alors j'ai oublié, j'ai pas noté sur mon carrier. C'est pas grave. De toute façon, on continue. Hein. On va ici, ici. Là. Ah! Ouais! On peut sortir des pièces! Ok, et le petit succès nous dit qu'on a trouvé tous les jetons! Ok, parfait. Je pensais qu'on pouvait aller chez les gens. Et on peut aller chez les gens! Trop super! Oui, mais encore? C'est quoi ce truc? Pourquoi il y a des fourmis quand je clique? Ok, j'ai rempli le truc de fourmis et j'ai eu un pot. Ok. Alors ici, on a un bout de la solution qui nous dit que sur le carré de 5 x 5, on a un jeton ici. Ok. Moi, je vois une prise. Je clique dessus. Ah, on a un jeton ici, sur le carré de 5 x 5 également. Je peux rien faire avec les prises. Ok. Dit comme ça paraît plus simple. Ah oui, mais j'en ai 3 des jetons. Donc... Continuons. Donc là, c'est le truc où j'ai eu les fourmis. Donc. Voilà. Je peux prendre le tournevis. Et il me manque encore visiblement 2. 2, ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? Ah, là, bien sûr, j'ai loupé celui-là. Voilà. Donc, ici, on met un jeton ici, un jeton là et un jeton ici. Par contre, le compte n'est pas bon. Il me manque encore... Ah! Mais si! J'ai un tournevis! Haha! Je tournevis la vis! Mettons le tournevis dans les prises! Tout le monde fait ça. Ok, et on trouve un cerveau. Top, 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 top. Merci, madame l'inconnue. Alors, ici. Ah! Ici, je peux mettre un jeton. Donne-moi la lettre. Oh! Qu'est-ce que c'est? Hein? Ok, j'ai l'impression que c'est juste gadget, les trucs qu'on...
débloque avec la thune. Même si c'est complètement dans le thème, on va pas se mentir. Ok, même le premier étage, c'est le restaurant. Alors, le resto... Oh oui, le coup de la chauve-souris qui pendouille, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Je peux tout à fait les remonter, les bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment je suis... Qu'est-ce que je suis censé faire avec... Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, sauf que derrière, j'ai rien de cohérent. Alors peut-être qu'il faut que je mette 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4. 5, 6, 6, 7. Non, il n'y a rien de cohérent dans ce machin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est peut-être le nombre. Alors, pas forcément de voisins, parce que voisins, ça marche peut-être pas. Mais... Genre, cette pièce-là, elle a 1, 2, 3... Oui, 4 voisins. 5, 6... On peut pas en avoir 7. On peut jamais en avoir 7. Et on peut jamais en avoir qu'un seul. Ben je sais pas. Si je clique ici, ça, ouais, ça m'emmène au même endroit que la chose. Bon, ben regardons les choses. On a des gens avec des bijoux, avec de la bouffe. Et des trucs dans la bouffe, voilà. Oh, un petit village miniature dans la bouffe. Ok, ils ont des petits animaux, mais visiblement, il manque des choses. Punaise. Ok. Je peux avoir un truc simple? Voilà, des fleurs à épousseter. Ça, je sais faire, c'est pas compliqué. Voilà. Ça me donne plus de morceaux, là. Non, ça a plus l'air de me donner de morceaux. Alors, ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va ici. Et ensuite, ça, ça va là. Ça, ça va ici. Ça, ça va là. Ça, ça va ici. Ça, ça va là. Ça, ça va ici. Ça, ça va là. Et ça, ça va là. J'ai pas épousté assez. Il me manquait une pièce. Ok, j'ai monté un bateau en origami. Vous m'envoyez Fortaise. Alors, le monsieur, c'est quoi ton souci avec ton oreille? C'est qu'il faut que je te rajoute un bout d'oreille. Alors, il y a des symboles dans les guirlandes. Ça pourrait ne rien dire, comme ça pourrait vouloir dire quelque chose. Et surtout, moi je vois qu'on va avoir... un truc intéressant ici, donc le monsieur est probablement la fin de la chose. N'empêche que j'en suis toujours à peu près au même point.
Il y a un symbole ici. C'est pareil. Est-ce que c'est juste pour le fun? L'ambiance ou pas? Je ne sais point. Je peux pas avoir celui-là. Là. Les autres, elles sont... Ok, les autres. Donc il faut que je résolve cette énigme, que je la comprenne. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ce machin? J'ai 2, 2, 3, non, 2, 1, 3, 2, un seul 3, 2, 4, un seul 5, 2, 6, et un seul 7. Ça me fait presque penser à une suite, mais j'ai pas la place de mettre une suite, genre 1, 3... Un, trois, cinq, sept. Un, deux, quatre, six. Non, ça marche pas mon truc. Faudrait plutôt genre un, deux, trois, quatre. Ça fait une suite à plus un. Sauf que 2, 4, 6, 7, ça marche pas. Qu'est-ce qui pourrait marcher avec le 7? Si, attends, 5, 6, 7. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me fait penser à un truc genre suite de Fibonacci ou compagnie, mais là juste je le vois pas. Parce que j'ai bien trop de choses. Alors je pourrais avoir trois suites différentes, hein, c'est pas une question. Mais c'est peut-être ça. 1, 2, 4, 6. 1, 3, 5, 7. Sauf que ça marche pas, bien évidemment. J'en ai aucune idée. Oh my god. Je suis en train de tout mélanger parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse. Alors je me redonne un petit œil nouveau en mélangeant un peu tout, voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Bah, je sais pas. Je sais pas, on va voir si on peut pas utiliser nos boutons et compagnie, histoire de se donner un petit peu de contenance, hein, le temps que j'ai une idée. Je dois bien avouer que je n'ai pas eu d'idée pour l'instant. Je peux pas les... Je peux pas du tout les... Mettre mes trucs sur les cartes. Ah! Je peux pas mettre mes trucs sur les cartes. Wow, mais qu'est-ce que j'en fais de ces machins-là? Oh, il est velu cette énigme-là. Alors ici, c'est à peu près évident, il faut trouver le bout d'oreille du monsieur. Enfin, si tant est que c'est un monsieur. Ici, on a fait. Ici, je pensais avoir fait, mais visiblement, je n'ai pas fait. Ah, ok. Je n'avais pas fait, effectivement. Et mon bouton, il peut servir à quoi? Dans ce contexte-là, rien, j'ai l'impression. Et mon bouton, ici, ouais, il sert à rien. Ah! Non, je vais pas la mettre là quand même. Wow. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où je peux cliquer? Pas sur le canapé. Alors du coup, la grenouille va peut-être sur nos cartes. Elle est bien dans le genre, la grenouille. Ok, donc j'ai le droit à la grenouille, j'ai droit à un deuxième bouton. Ah oui, bah tout de suite, je vais pas te dire tout de suite, c'est plus simple, mais alors, on veut que ça fasse 14, on veut que ça fasse 8, on veut que ça fasse 12 et on veut que ça fasse 9. 14, sachant qu'on a des choses de 1 à 7. On n'a que des choses paires sauf ça. C'est déjà un indice par rapport à ce qu'on a. Wow. Faisons chauffer le cerveau. Le cerveau, il dit que par exemple, 14. C'est 7 plus 3 plus 4, comme là. 7 plus 3 plus 4. Je sais pas si l'ordre a une importance, mais voilà. 8. 8, bon, on va dire 1 plus 2 plus 5, ça me va assez. Pour faire 9, voilà. Et visiblement, j'ai tout ouvert. Et je récupère un machin bizarre que je mets dans l'oreille du monsieur. Bah non, je peux pas la mettre dans l'oreille du monsieur, on est d'accord. J'en fais quoi de ce truc? Qu'est-ce que je fais de ce truc? Je leur donne à eux? Je le mets peut-être encore sur mes cartes. Ah, parfait. J'ai droit le petit bout d'oreille qui nous manquait. Oh my god.
Bonjour monsieur, j'ai ton bout d'oreille. Donne-moi mon organe qui me fallait. Du coup, on a tous les organes, il nous manque juste le bassin. Bah, parfait. Allons voir ça de plus près. Il ne reste donc plus qu'ici. Alors, on est ici, on a la boîte aux lettres. Je sais que ça, j'ai fait. Oui, maintenant, c'était juste le code, en fait, pour aller là, du coup. Ça, j'ai fait. Mais il me reste une pièce, du coup. Je sais plus du tout s'il me fallait une pièce pour quoi que ce soit. En tout cas, on va au bureau de poste. Alors, j'imagine qu'il faut que je range les lettres de manière à ce que ça rentre. Et que ça va pas rentrer tout seul. Hein. Hop. Oh, bah si, ça rentre tout seul. Voilà, c'est rentré. Donne-moi la clé, madame. Merci. Ok. Ici. Oh my god. On est parti. Alors, celui-là. Celui-là. Celui... avec un... Je me suis planté déjà. Je me suis déjà planté. Là. Celui avec deux ronds. Là. Celui avec un rond, avec deux triangles, avec un triangle, un rond, un carré. Voilà. J'ai pas réussi. Ah non, j'ai pas réussi. Ah oui, j'ai un petit peu. Ben non. Ah attends, ça marche pas. Du coup, ça veut dire que j'ai loupé un autre ailleurs. On enlève tout, on recommence. Ça marche pas, bien évidemment. Alors, on commence par les choses faciles, mais pas trop. J'en ai qu'un seul, qui a les deux oranges comme ça. Du coup, ça veut dire que j'ai pris celui-là. Et je suis plus ou moins obligé de prendre celui-là. Ensuite, j'en cherche un avec les deux ronds comme ça. Les deux ronds comme ça. Ensuite, j'en cherche un avec du orange en haut, du orange en bas. Ici. Ici, ça peut être l'un des deux. Un des deux de ceux-là. Donc pour l'instant, je ne le pose pas. Ici... ça peut être soit celui-là, soit celui-là. Donc pour l'instant, je pose pas. Ici, par contre, j'ai qu'un seul choix. Ce qui fait que ça m'aide pour ici. Ça m'aide pas pour là. Ici, j'ai deux oranges. On est parti. Et ensuite, ici, bah du coup, là, j'ai ça. Et là, j'ai ça. Voilà. J'ai droit à une ampoule. Une ampoule. On peut rien faire avec son déjeuner à la dame. Ah. Avec son horloge. Ah oui, elle a trois aiguilles, son horloge. Je dirais quelque chose comme ça. Ok. Et il y a une dame avec des... ah, je peux casser ses yeux. Ok. Ok. Ah, je sais que je vais pouvoir mettre mes ampoules. Alors, j'imagine que du coup, je vais pouvoir les mettre. Alors, 2, 2, 2, 2. Il n'y a pas l'air d'avoir de préférence sur les ampoules. Ok. Donc, j'ai des ampoules qui vont aller là. Est-ce que je peux ouvrir les paquets? Non, mais je peux ouvrir la boîte. Les paquets, je peux pas. La boîte, je peux. J'ai pas fait son PC à la dame. Alors son PC, il me dit que
Va falloir que je trouve un code. Ok. Elle me dit rien. Et ici, on a des fleurs et on a le code surtout. Enlevez-vous les fleurs, barrez-vous, je veux le code. Alors, 4, 2, 8, 3. Ok. Donc, on ouvre le PC et on tape 4, 2, 8, 3. J'ai droit à des fichiers. Alors, on a une dame avec des cheveux et une fleur. Et on a fait pousser la fleur. Et visiblement, j'ai ouvert le premier fichier du bon coup. Ok, et elle, c'est celle qui est dehors, qu'on voit dehors. Ok, parfait. Ce qui fait que j'ai deux ampoules supplémentaires. Mais que ça marche pas magiquement comme ça. Il va falloir mettre les ampoules au bon endroit. Ah non, il faut allumer les ampoules. Tadam, j'ai eu mes os. Du coup, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Ouais, du coup, ça nous ouvre la toute dernière zone. Alors, je veux voir un peu ce que je peux scroller, faire des choses. Non, ici, il y a un petit mot. Ah, bah, je peux utiliser ma pièce. Oh, un petit cheval, un petit carrousel de chevaux morts. J'arrive pas à dire si c'est creepy ou si c'est cute. Je pense que c'est comme le jeu. Il est creepy et cute. Du coup, plus qu'à aller dans notre laboratoire. Ok, voici notre laboratoire. Souhaitez-vous fabriquer le corps? Ben oui, bien sûr. Alors, je suis censé... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai un peu tout cassé, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, je peux mettre les boules au bout des machins. Est-ce que ça m'avance à quelque chose? Oui, j'ai validé la colonne. Ok. Voilà. J'appuie sur la prise. Ah, ça, c'était plus facile. La main. J'allume les bougies, sans doute. Voilà, je mets le dernier os. Parfait. Allez, on va faire une petite dent. Oh, la dent, elle est cassée. Elle s'est réparée toute seule. Magie. Oh non, on a aidé un petit peu quand même. Oh, des petits papillons, des petites mouches. Au revoir les mouches. Pourquoi il y a un poisson? Oh mon dieu. Ok. Alors, cet os. Viens. Je peux même arroser. Voilà. Les poumons.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a ça. On a ça. On a ça. Et on a ça. Parfait! Alors, j'ai des plantes. Ah, ok. On a mis des petites fleurs, c'est trop mignon. Qu'est-ce que je suis censé faire? Alors, j'ouvre ici. Quoi, il faut juste l'enlever. Je le mets où? Là? Ah oui. Peut-être récupérer une goutte. Voilà. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Hop, une petite dent. La dent est là. Qu'est-ce que je fais? Genre juste... je crée une pièce. J'enlève tout. C'est des tableaux, ça va sur les murs. On peut mettre les petits machins sur la table basse. Ça, ça va au mur. Ça peut aller sur la table basse. Ça va au mur. Hop. C'est quoi ce machin? J'ai pas vraiment conscience de ce que c'est. Ouais, j'ai une seringue. Ah, 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 ah. On a presque fini. Oh, on a cassé l'orteil. Oh là là. On s'en fout du... Ok, on s'en fout du... On s'en fout du motif. Ah, poisson, poisson, poisson. Je mets un bout de poisson dans mon cerveau. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je mette les petites fraises. Oh, on met les petites fraises dans les intestins. Oui, mais encore. Je suis censée mettre ces machins. Alors, je vois vaguement qu'ici, il manque ça. Ici, il a l'air de manquer ça. Ça, c'est quoi comme symbole? C'est celui-là. Là, là. Il manque ce truc ici. Et où le dernier? Ah, ça va être un truc comme ça. Là. C'est bon, je l'ai vu. Voilà, on va pouvoir faire notre copain! C'est scientifiquement compliqué, dis donc. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si.
Oh ouais, on met une petite musique quand même. Et on chine avec notre amoureux. Oh. Oh. Et voilà ce qui clôt cette aventure en mode bien, bien creepy, bien dérangeante. Je vais vous laisser quand même le petit générique parce qu'il y a des petites images qui sont mignonnes. Merci d'avoir consacré une petite partie du temps dont vous disposez sur Terre à jouer à ce jeu. C'est quand même super mignon. Et voilà ce qui clôt l'aventure. Alors, il me semble que j'ai pas eu tous les succès. Il y a une bonne partie de succès cachés, notamment. Mais en tout cas, ça vous donne l'esprit du jeu. Pas mal de solutions pour aller jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé cette aventure délicieusement dérangeante. Et je vous dis merci beaucoup. Bye bye!